Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je viens de recevoir deux batteries lithium. C'est parti. Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, le facteur est passé. Enfin, le facteur est passé, mais il a quand même 3 jours de retard sur l'un et l'autre colis. Pas vraiment le facteur qui est passé, c'est plutôt le Père Noël. Mais le Père Noël, je crois qu'il est asiatique. Voilà. Et voilà. Deux batteries lithium de 2 fois 200 ampères-heure. Ça va nous faire 400 ampères-heure dans le camping-car. Bon, je pense qu'avec ça, on est bon. On va être très bien, je pense. Très, 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 très bien. Alors ces batteries, elles viennent d'Allemagne. Je les ai achetées, bon, elles viennent d'Allemagne, mais je les ai achetées sur AliExpress. C'est pour ça que je vous dis que le Père Noël il est asiatique. AliExpress, elles étaient en promo Black Friday, mais bon, je pense qu'elles sont en promo toute l'année en vérité. Hein. J'ai un petit peu plus peut-être, et encore que c'est minime. On en a pour livré 720 euros quoi. 720 euros livré. Alors bon, on va voir ce que ça donne, mais bon, je me fais pas trop trop de soucis. Voilà quoi. Ça va être le feu. Enfin, j'espère qu'elles vont pas prendre feu quand même. Bon voilà, grâce à ces deux magnifiques batteries, donc on va faire passer la puissance du camping-car, enfin la puissance, le stockage d'énergie du camping-car, il va passer donc de 160 ampères-heure. Là on avait ouais, deux batteries de 80 ampères-heure AGM. Donc on avait deux batteries AGM de 80 ampères-heure. On va faire passer ça donc à 200, enfin à 400 ampères-heure finalement, de 160 ampères-heure. 2 fois 80, donc 160 ampères-heure. On va passer à 2 fois 200 en lithium. Ouais, donc ça, je pense que ouais, là, on va pouvoir regarder la télé toute la nuit, je pense. Hein. Non, mais bon, je pense que là, on ne sera pas à court d'énergie.
Finalement, le réel problème sur mon installation actuelle était que je n'arrivais pas à stocker assez d'énergie. Enfin, les capacités des batteries ne sont pas assez élevées. Mon panneau solaire travaille un petit peu pour rien. Et au final, il travaille pas du tout quand il y a forcément du temps gris. Et du coup, je me retrouve un petit peu avec une capacité de stockage énergétique trop faible. Donc, sur une semaine très ensoleillée, il n'y a aucun souci, j'arrivais à faire mes journées sans aucun manque d'énergie, sans nous priver du tout de rien. Hein. N'oublions pas qu'il y a le frigo qui consomme quand même le plus gourmand dans mon installation, c'est mon frigo. Sur le reste, ça va. Mais sur une semaine où il y a quelques jours de ciel gris, pratiquement pas de soleil, le panneau solaire n'arrive pas à recharger correctement. Donc, il me faut soit une plus grosse capacité de stockage, et bien sûr, il me faudrait un coupleur séparateur afin de pallier ce que le panneau solaire n'arrive pas à accumuler comme énergie. Ça me ferait bien un bon relais en fait entre les deux. Donc là, pour le solaire, enfin pour le solaire, on va rien changer. Pour les batteries, on va donc mettre ces deux batteries lithium. Et on va agrémenter cette installation par un coupleur séparateur. Donc voilà pour le reste. Ces travaux, on va les réaliser pas de suite, parce que là on est fin décembre. Je ne vais pas hiverner mon camping-car avec des batteries. Enfin, c'est complètement stupide. Donc on va garder ces batteries bien au chaud à la maison. Et dans quelques mois, on va faire le montage. Donc le temps de récupérer juste le coupleur séparateur qui manque à l'installation, voilà, du câblage, et puis avant le printemps, on monte tout ça, quoi. Voilà. Pourquoi le choix d'une batterie lithium? Alors les batteries lithium, quelle différence y a-t-il entre mes anciennes batteries? Donc batterie AGM, donc 2 fois 80 ampères-heure, et là donc lithium, donc en 2 fois 200 ampères-heure. Quelle différence entre une batterie plomb et une batterie lithium? Alors il y a une différence entre les capacités finalement de décharge. C'est-à-dire qu'une batterie plomb AGM, vous pouvez aller jusqu'à 50% de décharge. C'est-à-dire que là, sur une batterie 80 ampères-heure, finalement, vous pourrez en utiliser que 40. Donc, finalement, dans mon installation, j'ai 2 fois 40 ampères-heure finalement d'utilisable en dessous. Enfin, c'est bridé en fait, en dessous c'est terminé, on ne pourra pas les utiliser. Donc après, sinon ça détériore la batterie. Et voilà. Une batterie lithium, la différence, c'est qu'une batterie lithium, on peut utiliser pratiquement l'intégralité, enfin plutôt 90%, 90% de la puissance du stockage énergétique. Donc imaginez un petit peu là, une batterie, enfin mon ancienne install et ma nouvelle install, ça n'aura strictement rien à voir. C'est un peu comme si j'avais 3 fois mon ancien stockage. Ensuite, les différences sont le poids. Les batteries plomb, bon, ben voilà, tout le monde a déjà soulevé une batterie plomb. Une batterie lithium, quand je les ai reçues, j'étais même surpris des colis, quoi. C'est très 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 léger. Donc bon, c'est un argument qui est pas négligeable, mais pas essentiel pour moi, mais en tout cas, c'est pas négligeable. Et ensuite, la durée de vie et aussi le temps de recharge. Une batterie lithium se rechargera beaucoup plus vite qu'une batterie plomb. Et le temps de la durée de vie, on est quand même sur un temps de durée de vie estimé à 6000 cycles. Donc plus qu'une batterie AGM. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va préparer l'hivernage du camping-car. Ouais. Bon voilà, on n'y a pas touché depuis la dernière sortie. Il est vraiment dégueulasse. Donc première étape, on va aller le laver. Bon, ça c'est fait, il est un peu fatigué. Bon, on va lui mettre les pinces.
Bon voilà, on s'en était pas servi depuis la dernière sortie où on était parti voir le Gaulois. Il est tout dégueulasse. On va aller le nettoyer. Et quand je dis dégueulasse, il est vraiment dégueulasse quoi. Il y a même de la merde jusque là quoi. Ah c'est vrai. Il avait pas démarré depuis 3 semaines, donc il a eu un peu de mal. Les prochaines semaines, je vais venir refaire ça là. Tous les joints là, ici, là, qui craquent. Je vais les refaire. Et puis ça ira bien. Donc là aujourd'hui, on va le mettre en hivernage. Allez, on va le nettoyer. Règle avant l'hivernage, on retire tout ce qui est denrées alimentaires. Très important. Alors ensuite, vous vidangez toute l'eau qu'il y a dans le camping-car. Donc vous trouvez ici une vidange d'eau. Et là, vous avez la vidange du boiler. Tout en bas, vous avez un petit bouton jaune. Voilà là-bas, la petite tirette jaune, vous la tournez, et ça vidange le boiler. Ensuite, vu qu'on va passer en batterie lithium, comme vous le savez, on va passer en batterie lithium d'ici allez, quelques semaines, quelques mois, grand max, avant au début printemps quoi. Du coup, on va pas laisser les batteries, on va les enlever, on va enlever les batteries cellules que vous avez là. Donc il y en a une là et une sous le camping-car. Histoire qu'elle ne s'abîme pas. Voilà pour la première. Bon voilà, ça c'est fait, là elles sont retirées. Bon, c'est pas du tout une obligation, mais bon. Pour en vérité, pour le temps que ça prend, je pense que c'est pas plus mal de les retirer en fait. Pensez à enlever toutes vos couvertures, vos draps. Les stores. Pensez à tout laisser ouvert. La pression de vos pneus aussi, faites la pression des pneus. Moi dans mon cas, le camping-car, on va venir tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, il va être démarré. On va le sortir, le faire rouler un tout petit peu. Mais sinon, pensez à bien gonfler vos pneus parce que sinon, ça va faire un plat. Ensuite, il y a plein de petites choses qu'on va faire sur le camping-car pendant l'hiver. Plein de petites améliorations, des petits trucs, alors ça va pas tomber dans des grands travaux, hein, mais ouais, des petites améliorations que je vais lui faire. Bon voilà quoi, hein, je vais pas vous en dire plus pour l'instant, mais il y a des choses qui sont au programme. Petites retouches, des petites choses,
des toutes petites améliorations. On va corriger tous les petits défauts qu'il y a dessus. Comme ça par exemple. Ça, ça me plaît pas ça. Donc ça, je vais venir le corriger. Il était fendu, bah il s'est cassé. Voilà. Bon. Ça, comme je disais tout à l'heure, quoi. Hein, refaire tous les joints. Je pense que je vais refaire aussi un petit tour aussi au niveau des joints sur tout le pourtour du camping-car. Je vais venir refaire des joints propres. Voilà. C'est pas des choses très très visibles, mais qui sont indispensables. Si on veut qu'il dure encore de longues années. Pour la cassette, pareil, un bon nettoyage au Javel. Et sur le joint, un petit coup de WD-40. Coucou! Mais tu fais quoi là? Mets du joint. Oh putain. Ça évitera que les vitres y collent. Le Maroc. Il y aura quoi? Inch'Allah, le Maroc. Allez, maintenant, on va nettoyer. On va passer un bon coup de serpillière. Un bon travail d'homme. Vous voyez pas comme une petite ressemblance? Mon cousin. N'hésitez pas à liker hein, si vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper Kelly en tenue de soubrette la semaine prochaine. Pas sûr que tu sois d'accord. Hein. Mais on fait ça bien, hein. Ça brille, hein. Concentré, hein. Ah, j'en prends soin, hein. Bon, voilà, que rajouter d'autre? Vous pouvez, bien sûr, ouvrir le frigo. Hein, laissez pas le frigo fermé tout l'hiver. Sinon, à part ça, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Coupez bien le gaz, enfin voilà, c'est tout bête, mais bon. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, commenter. Je réponds, surtout. Vous abonner, ouais, ça nous aide, ça nous fait monter. Bah, ça nous ferait plaisir déjà. Ça nous fait plaisir, ça nous fait monter. Et en plus de ça, pour le référencement, c'est super, des likes, un abonnement. Voilà, c'est gratuit. Ça nous aide beaucoup. Donc voilà, merci à tous. Ça nous encourage aussi. Ça nous encourage. À la semaine prochaine. Salut, salut. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.